En manchette aujourd'hui, opération déglaçage sur le fleuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Avant de vous parler de cette opération de déglaçage sur le fleuve, un communiqué de dernière heure nous arrive en provenance du Festival de Lanaudière. Le festival est en effet contraint d'annuler le concert de Jordi Salval du 26 février, donc ça devait avoir lieu ce samedi à Joliette. Le festival mentionne avoir le regret, regrette d'annoncer l'annulation de ce concert très attendu du célèbre gambiste et chef d'orchestre Jordi Salval. Le festival mentionne recevoir et présenter des artistes étrangers s'avère un exercice titanesque dans les conditions actuelles de resserrement des frontières. Le concert avait été planifié avant le déploiement des mesures associées au variant Omicron et le festival s'était doté d'un plan rigoureux pour l'accueil des artistes, plan qui ne pourra malheureusement pas être mis en place comme prévu pour des raisons hors du contrôle du festival. À un jour de l'arrivée des musiciens et devant l'impasse due à des raisons liées à la COVID-19, le Festival de Lanaudière doit donc annuler le concert à regret. Tous les détenteurs de billets recevront bientôt une communication de la billetterie de la Place des Arts leur proposant différentes possibilités compensatoires. On devait même aujourd'hui à CTRB parler au directeur général du Festival de Lanaudière. Une entrevue était planifiée avec Xavier Roy. Évidemment, cette entrevue a été décalée pour finalement être annulée, tout comme ce concert. On y va maintenant avec l'opération déglaçage, comme à chaque printemps ou presque, sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec. En effet, la garde côtière canadienne commencera ses opérations de déglaçage printanier sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec le 27 février prochain, nous dit-on. Ces activités pourraient débuter plus tôt en raison du risque accru de décrochage de la banquise côtière causé par le redout combiné à des hautes marées qui devraient commencer le 1er mars. Le déglaçage se poursuivra par la suite sur plusieurs cours d'eau et rivières et embouchures de rivières au Québec. Les opérations annuelles sur le Saint-Laurent, dont celle effectuée près du lac Saint-Pierre, ont pour but de briser la banquise côtière en petites plaques, évitant ainsi que des blocs de glace de forte taille dérivent et bloquent le chenal de navigation. En ce qui concerne les opérations de déglaçage menées sur les plus petites rivières, elles ont pour but de dégager l'entrée des affluents et ainsi prévenir les embâcles et les inondations subséquentes pouvant se produire lors du dégel printanier. Ce type de déglaçage est effectué par les aéroglisseurs de la garde côtière canadienne. On parle du NGCC Manilosa ou encore le NGCC Sipu-Miu. Des véhicules à coussin d'air dont le moteur fait un bruit similaire à celui d'un aéronef. Puisque nous avons connu des périodes prolongées de froid intense depuis le début de la saison d'hiver, avec de courtes périodes de redoux accompagnées de vents forts, voilà, tout ça, toutes ces conditions ont favorisé la rupture de la banquise. La garde côtière canadienne rappelle au public qu'il peut être très dangereux de s'aventurer sur la glace du fleuve Saint-Laurent et lui suggère de prendre connaissance de ses avis en matière de sécurité. À titre de rappel, il est également toujours dangereux de s'aventurer sur la glace lorsque des brise-glaces, des aéroglisseurs ou tout autre navire sont dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et représenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ces navires, même longtemps après leur passage. Il est conseillé aux personnes qui ont laissé des installations ou du matériel sur la glace de les rapporter à terre dès que possible. Pardon. On parle maintenant des employeurs mobilisés pour la réussite scolaire. En effet, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, souligne l'excellente initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec pour l'adoption
d'une première charte des employeurs pour la persévérance scolaire. Il profite également de cette annonce pour rappeler que la région de Lanaudière propose depuis 2006 le programme Osez Jeunes, qui vise l'accompagnement des employeurs lanaudois afin qu'ils jouent pleinement leur rôle à l'égard de la réussite éducative. En effet, depuis plus de 15 ans, le CREVAL reconnaît que les employeurs sont des personnes significatives pour les apprenants, considérant que près de 80 % des étudiants cumulent plus de 40 heures par semaine de cours, de travaux scolaires et de travail rémunéré. Il importe que les milieux des affaires se mobilisent et participent à la valorisation de l'éducation, mentionne André Tousignan, président du conseil d'administration du CREVAL. À cet effet, la charte permet aux employeurs de souligner l'importance de la réussite éducative de leurs employés étudiants en proposant des outils ainsi que 5 engagements. S'assurer que l'horaire de travail est adapté aux besoins des employés étudiants. Prévoir un temps de repos suffisant entre une période de travail et une journée d'apprentissage. Encourager la poursuite des études jusqu'à l'obtention du diplôme ou de la qualification visée. Prévoir des mécanismes de rétroaction avec l'employé étudiant quant au succès de sa conciliation études-travail. Faire part à l'employé étudiant des engagements en matière de persévérance scolaire et de ce que cela peut signifier pour lui. Dans le même ordre d'idée, conscient des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, Osez Jeunes offre aux employeurs des outils et des pistes de solutions pour recruter et fidéliser leurs employés. Les employeurs certifiés doivent également respecter les critères de certification dès leur adhésion. Par le biais de ce programme, ce sont près de 370 lieux d'affaires lanaudois sensibilisés qui s'engagent année après année auprès de milliers d'étudiants. Toutes les chambres de commerce du Québec sont invitées à promouvoir la charte des employeurs sur leur territoire. À ce sujet, notons qu'Osez Jeunes peut, et ce, depuis de nombreuses années, compter sur l'appui de chambres de commerce locales qui renforcent le message auprès des employeurs et contribuent à créer un engouement pour ce programme de certification. Elles s'engagent donc à faire la promotion d'Osez Jeunes par le biais de leurs divers outils de communication et événements. Le CREVAL tient à souligner les chambres de commerce de Brandon, Montcalm, Desmoulins, Grand-Joliette, L'Assomption et Haute-Matawinie pour leur implication renouvelée. Le milieu des affaires lanaudois peut faire un pas de plus en adhérant à Osez Jeunes. Tout au long de l'année, les employeurs certifiés profitent d'un accompagnement et de plusieurs autres services. La certification est une véritable valeur ajoutée pour l'entreprise qui souhaite rehausser sa marque employeur et s'engager en matière de réussite éducative. Pour rejoindre la grande famille Osez Jeunes, on peut le faire dès maintenant. Évidemment, on va sur le site web Osez Jeunes pour trouver l'information supplémentaire. Sur ce, passons à la météo. Pardon. Et là, on va parler justement du fonds Jacques Martin. Oui. Je sais que vous y avez contribué, vous avez aidé. Et elle a une mission vraiment spécifique. On parle des jeunes musiciens. Et encore là, c'est la difficulté de percer. Que tu sois musicien, chanteur, c'est important d'être capable d'avoir l'appui pour pouvoir continuer. Là. Oui. En fait, le fonds Jacques Martin, on veut aider des jeunes, mais d'un niveau élevé. Parce que pour l'apprentissage de la musique, que ce soit au conservatoire ou dans les écoles de musique ou choses semblables, il y a déjà des systèmes de bourses qui sont institués par surtout les gouvernements. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y a des jeunes qui performent très bien, des jeunes Québécois, des jeunes Canadiens qui performent très bien à travers le Canada. Et ils sont à un très haut niveau. Mais ce qu'ils ne viennent pas à bout de faire, c'est d'aller à l'international. Parce que la concurrence est forte aussi, il faut le dire. Oui, la concurrence et également les contacts. Oui, c'est ça qui est important. Parce que des fois, quelqu'un va être invité par un chef d'orchestre à Berlin ou en France ou en Angleterre, n'importe où, parce que le chef d'orchestre a rencontré ce musicien-là ou cet artiste-là. Il l'a rencontré à un moment donné, puis il le connaît, puis il dit « Viens donc faire un concert avec nous autres chez nous. »
Alors, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces musiciens-là de haute performance puissent aller à l'international. Et d'ailleurs, le premier projet cet été, Le premier projet cet été, c'est qu'il y a 6 musiciens qui vont être en résidence pendant 10 jours, okay. pendant la période du festival. Ils vont être en résidence aux frais de du fonds. Et aux frais de la fondation également, de la fondation du festival, mais surtout du fonds. Et ils vont être en résidence ici et pendant la période du festival, on va établir des rencontres entre ces jeunes-là et les chefs d'orchestre qui viennent ici, ou les solistes qui viennent ici, les grands artistes, les grands pianistes, puis faire des rencontres avec ces jeunes-là. Est-ce que c'est prévu qu'ils fassent une performance devant ces personnes-là pour montrer de quoi ils sont capables? C'est ça que... Oui, puis ils vont faire une performance également pour l'offrir à la population. Ah, bien, c'est bien, oui, OK. L'offrir à la population, mais... c'est qu'on veut qu'ils soient en contact avec ces personnes-là et ils peuvent peut-être être invités par ces personnes-là en reconnaissance de cette rencontre. C'est une source de motivation aussi. C'est motivant de rencontrer un milieu que peut-être tu aimerais vivre, que tu aimerais vivre dans ce milieu-là. Donc, ça te permet de vivre un petit peu l'effervescence de ces grands maîtres qui viennent. Tu sais, il y a des jeunes artistes performants qui méritent d'être entendus, d'être écoutés. Et c'est pas parce qu'ils sont moins bien que d'autres qui ne sont pas à l'international, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les contacts nécessaires. C'est ça. Dans la vie, ça fonctionne souvent de même. Oui. Hein? C'est des contacts, c'est parler de l'un à l'autre, puis à un moment donné... Cette vie-là est percée, que ce soit dans la musique, qu'on parle de la musique classique, c'est difficile parce que, tu sais, je pense qu'ici, on est chanceux à Joliette, on a quand même été un grand bassin, qu'on pense à Angèle Dubois, qu'on pense au Marcel, qu'il y a plein de musiciens qui ont tracé la voie. Mais en Europe, il y a une tradition pas mal plus différente que la nôtre. C'est pas facile. Moi, je trouve ça passionnant. Je me dis, si on avait tout ça quand on était jeune, quand moi, comme musicienne ou n'importe quoi, d'avoir ces possibilités-là, on a des très bons musiciens qui sont sortis de la Naudière de Joliette, mais on aurait peut-être encore eu plus, encore des gens qui auraient eu la capacité de rayonner, puis auraient eu la capacité de se rendre, parce qu'on pense à Angèle, là, mais ça, c'est sûr, c'est une exception qu'elle a réussi par des contacts. C'est la plus belle preuve qu'on peut avoir. Oui. Alors, c'est pour ça que nous, on veut aider ces jeunes-là, puis on les fait venir à Joliette, on les ferait tout leur frais de séjour. Est-ce que c'est déjà déterminé qui va venir cet été à Joliette? Le choix est à peu près tout fait. Ah oui, OK. Je ne suis pas au courant de tous les détails. D'accord. Là. Je laisse ça à Xavier Roy, qui est le directeur général du festival. Mais il y a déjà des gens qui sont déjà spécifiés. C'est précisé que c'est 6 musiciens, puis il y a déjà des personnes de contacter. Très, très là. Alors, c'est... c'était quand même un objectif qu'on avait, mon épouse et moi, de pouvoir aider des jeunes. Et la fondation du festival, moi, en tout cas, je suis reconnaissant d'une certaine façon à la fondation. J'ai donné beaucoup de mon temps, mes années, mais tu sais... au lieu d'avoir un petit cadre puis qu'on accroche ensuite en reconnaissance d'eux, etc., ils ont pensé à créer ce fonds-là. Et eux autres ont versé le premier montant, puis nous, la famille, on a donné des montants également. Puis il y a des personnes également qui commencent maintenant, que le fonds est connu, ils commencent à donner au fonds Jacques Martin. Alors... moi, en tout cas, j'ai bien apprécié ce geste-là qu'ils ont fait parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup depuis 20 des années, mon épouse et moi, d'aider des jeunes à performer dans la musique. Petit problème technique juste avant ce reportage. Donc, c'était la suite de la rencontre que Jacques Martin nous a accordée. Une entrevue qui expliquait à quoi les sommes utilisées via le fonds Jacques Martin
sont utilisés là, pour les jeunes au niveau de la musique, du festival de Lanaudière, etc. Donc, c'était l'entrevue, la suite de l'entrevue qu'il nous a donnée il y a quelques jours et que nous avons présentée hier et aujourd'hui. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On poursuit avec les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Pour aujourd'hui, 25 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Suzanne Courchesne et à Alain Moreau. Pour demain, 26 février, la FADOC souhaite bonne fête à Sophie Robert et à Danny Laforêt. Le Centre d'action bénévole d'Autré, le CABA, souhaite bonne fête à Pauline Ayotte. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Ou encore ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit l'information. Lanaudière a-t-elle les moyens de se passer de ses 200 organismes communautaires autonomes? Voilà la question. Et la Troquelle, un organisme dont on vous parle dans quelques secondes, mentionne que le point de rupture est plus près que vous ne pouvez l'imaginer. Les organismes communautaires autonomes lanaudois se joignent en effet leur voix à celle de 4000 autres organismes québécois similaires pour réclamer un financement à la mission reconnaissant leur rôle primordial dans la vie de milliers de citoyens et de citoyennes dans la protection du filet social de leur communauté. Dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire », la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière, la Troquelle, a voulu démontrer que la région n'a pas le moyen de se passer de ses organismes et que le mouvement est plus solidaire que jamais, et ce, malgré tous les enjeux actuels. Pour ce faire, elle a déployé une grande campagne de mobilisation virtuelle et médiatique, et depuis 2 ans, les organismes communautaires autonomes sont en première ligne de cette pandémie qui a eu et qui a toujours des impacts majeurs sur la population. Ils ont été nombreux à exprimer la hausse des besoins et des demandes, la pénurie de bénévoles, de travailleurs et de travailleuses. Bien que cette pénurie soit présente dans tous les secteurs d'emploi, les disparités salariales ont pris de plus en plus d'ampleur. La pandémie a mis encore plus en lumière le sous-financement chronique des organismes communautaires autonomes. Bien qu'ils soient sollicités de toutes parts par le gouvernement afin de répondre aux besoins grandissants et urgents de la population, la reconnaissance financière leur permettant de réaliser pleinement leur mission se fait attendre. Comme l'exprime un organisme de la région, « Cette année, nous avons eu plusieurs bris de service, des fermetures par manque de ressources. Le roulement des employés est de plus de 50% à cause du sous-financement qui ne permet pas des conditions de travail décentes pour nos travailleurs et travailleuses. L'équipe est épuisée de faire des remplacements. Nous offrons un service essentiel pour les personnes en crise de santé mentale, particulièrement en ces temps de pandémie. Le personnel est épuisé. Il y a du travail pour 8 personnes, mais nous sommes 4. Malgré les petites indexations et les rehaussements insignifiants, nous n'avons pas les moyens de réaliser notre mission comme nous l'avions définie. Le milieu communautaire autonome n'est pas soutenu entièrement par des bénévoles. Les travailleurs sont en droit de demander de bonnes conditions de travail,
Le tissu social doit être renforcé pour bâtir une société plus juste et équitable. N'abandonnez pas le milieu communautaire. Voilà donc deux témoignages d'organismes. Des témoignages comme ceux-là, la Troquelle en a reçu plusieurs dans la préparation de cette journée de mobilisation. Est-ce que Lanaudière a les moyens de se passer de ces 200 organismes communautaires autonomes qui, chaque année, soutiennent plus de 100 000 personnes? La question se pose. 460 millions de dollars. Voilà ce que les organismes réclament pour pouvoir reprendre leur souffle et réaliser pleinement leur mission. Pas de fonds d'urgence avec des critères ne correspondant pas à la réalité, pas de financement de projets qui ne permet pas de consolider les équipes en place et la pleine réalisation des activités et des services. Pas du saupoudrage par des plans d'action sectoriels. Comme un organisme l'exprime bien, nous cumulons pas moins de 13 sources de financement de différents programmes gouvernementaux. C'est du temps de gestion inutile qui pourrait être mis au service des aînés. Bref, nous demandons au gouvernement, selon la Troquelle, de cesser de louanger le travail des organismes et d'enfin le reconnaître à sa juste valeur par des investissements majeurs de financement à la mission globale, et ce, dès le prochain budget du gouvernement du Québec. Voilà. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromain, le 15 janvier dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'Île-du-Bas. Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles Marie, Liliane et Victoria, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau, Nicole l'ayant précédée récemment, Denis Dandonneau, feu Jeannine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Manon Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 26 février de midi au complexe funéraire F. Thériault situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromain, le 11 février dernier, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Jean Marcotte, fils de feu René Marcotte et de feu Colombe Brunel, demeurant à Joliette. Lui a précédé Mario et Joanne. Il laisse dans le deuil ses sœurs, Carole Marcotte, Clément Paquet, José Marcotte, Léo Beauchesne, ses nièces et son neveu, Mylène Rattel, John McDougall, Liliane Rattel, Frédéric Pagé, Cindy Beauchesne, Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, ses petites nièces Johanna Rattel-Pagé et Sophia Rattel-Pagé, ses deux frères de cœur Martin Lapointe et Mario Chevalier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 27 février dès 13h au salon funéraire Thériault, celui de Joliette, situé au 674 rue Saint-Louis, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 23 février, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Mariette Perrier, épouse de Guy Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants.
Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard, ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François, Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis et ses arrière-petits-enfants, ses sœurs Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le 4 mars prochain au complexe funéraire Thériault à Berthierville, sur invitation seulement. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en toute intimité. Les cendres de Mme Perrier seront déposées au Colombarium de Berthierville. Au CHSLD Le Château, le 17 février, à 86 ans, est décédée Mme Marie-Claire Bérard, épouse de Alfred Turcotte, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé son fils Bruno et laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Serge Turcotte, Daniel Turgeon, Chantal Turcotte et Gaétan Turcotte. Ses petits-enfants, Anne-Sophie, Marie-Alexis, Maxime, Vincent, Myriam et Carl. Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, Muriel Bérard, Philippe Bérard, feu André Gauthier, Aldéo Bérard, Nicole Bertrand, Gisèle Turcotte, feu Étienne Laporte, Monique Turcotte, Jean Morel, feu Jean Turcotte, Jeannine Morel, pardon, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 5 mars dès 13h en la chapelle du complexe funéraire Thériault à Berthierville, suivra une liturgie à 14h30. Madame Bérard Turcotte sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Pour la météo, je ne me fierai pas vraiment aux prévisions qu'on a imprimées pour aujourd'hui et demain, puisqu'on ne prévoyait pas de neige aujourd'hui. C'était plus pour demain ou dimanche. Donc, on en a quand même passablement de la neige, du vent, de la poudrerie en ce vendredi. Donc, soyez très prudents sur les routes. Demain, un peu plus de soleil. Même chose en après-midi. Le mercure, ça va se réchauffer puisqu'on part en après-midi de moins 6 degrés. Même chose pour la nuit de samedi. Dimanche, un petit peu de neige, peut-être 1 cm. Même chose en après-midi, même chose en soirée. Le mercure dimanche après-midi devrait avoisiner les 0. On parle de moins 1 ou environ. Un petit vent fatigant, si on peut dire. Donc, on ressentira malgré le moins 1. On ressentira environ moins 8. Donc, passablement de neige aujourd'hui, ce qui n'était pas vraiment prévu. Un petit peu en fin de semaine. Peut-être que les nuages sont arrivés un petit peu plus tôt, c'est possible. Donc, on verra au cours du week-end. Mais d'ici là, soyez prudents et on se retrouve lundi pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur qui vous souhaite bon week-end.